Autre point de l'actualité, c'est parti depuis ce matin pour l'administration des épreuves des concours directs de la fonction publique au Burkina Faso. 2 106 962 candidats pour 6 069 postes dans 92 concours. Le lancement officiel de la session par le concours de la garde de sécurité pénitentiaire GSP au lycée technique national Aboubacar Sangoulé Lamizana avec Césaire Carrefour et Tanga Kafando. Lycée technique Sangoulé Lamizana à Ouagadougou. Il est 6h30. Les examinateurs procèdent à l'appel des candidats au concours direct des gardes de sécurité pénitentiaire. Ils ouvrent le bal de l'administration des épreuves des concours directs de la fonction publique, session 2022. Et le ministre en charge de la fonction publique, à la tête d'une délégation gouvernementale, est venu encourager les candidats et féliciter toute la chaîne de l'organisation. Notre présence est pour signifier que dans tout pays, la ressource humaine étant la première des ressources et pour tout État qui veut avancer, pour tout pays qui veut avancer, nous nous sommes fait le devoir de venir à leur côté et leur dire que le gouvernement prendra toujours toutes les dispositions nécessaires pour permettre à la jeunesse d'avoir de l'emploi, de l'encourager et de faire en sorte que dans la sélection de cette jeunesse, ce soit les meilleurs véritablement qui soient à la disposition de l'État pour le servir. Ici, comme ailleurs, aucune difficulté majeure n'est signalée selon Bassolma Bazier. 7h30 environ. Le coup de sifflet donne le top de départ des épreuves et marque le lancement officiel des concours directs de la fonction publique, session 2022. Cette année, plus de 2 100 000 candidats compétissent pour 6 069 postes dans 92 concours. Et sur les 92 concours, 10 sont administrés en ligne contre 2 à titre pilote en 2021.